Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va faire le test complet du Dougie Shoot One. Après avoir fait le test complet du Bluebooth Dual, il ne nous restait plus que le Dougie Shoot One, puisque très certainement vous avez vu donc la vidéo comparative des caméras du Dougie Shoot One et du Bluebooth Dual. On va tout d'abord faire le tour de la boîte du Dougie Shoot One, et vous le voyez, le smartphone testé est donc de la couleur Obsidian Black. Voilà. Alors, en termes de caméra, vous avez du 13 plus 8, contrairement au 13 plus 2 du Bluebooth Dual. Vous avez le même écran Sharp de 5,5 pouces en Full HD, le même processeur 4 cœurs, le MT6737T, puisque nous sommes à 1,5 GHz. Un lecteur d'empreintes qui se trouve ici en façade, 2 plus 16 Go de ROM, 3300 mAh pour la batterie, une charge rapide de 5 volts 2 ampères et de l'Android 6.0. Voilà, et le contenu de la boîte, c'est très simple. Une coque silicone, je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo comparative. Le chargeur donc 5 volts 2 ampères. USB, micro USB, et vous avez un film de protection avec la petite lingette qui va bien pour essuyer l'écran ou la protection d'écran, c'est comme vous voulez. Et enfin, l'outil pour ouvrir la trappe que nous allons garder avec nous. Alors, ce Dougie Shoot One, il se présente sous la forme, on va dire, d'une... Il faut pas se leurrer, hein, d'une copie plutôt orienté Xiaomi Redmi Pro, avec le bouton en façade Home plus scanner d'empreintes, et franchement sur l'arrière ça y ressemble comme deux gouttes d'eau, avec bien entendu les séparateurs pour laisser passer les ondes, le double capteur, double LED pour le flash, le micro de compensation à l'arrière, pareil. Donc sur le dessous vous le voyez très correctement. Vous avez le micro qui est bien séparé ici, sur le dessous. De l'autre côté, bien entendu, vous avez le haut-parleur, la prise micro USB. Sur le côté droit, la trappe à carte SIM, le bouton power. Et de l'autre côté, le volume plus moins, qui n'a quasiment pas de jeu, qui ne bouge pas dans son emplacement. Et c'est vraiment des clics très agréables, en tout cas au toucher. Est-ce qu'ils vont durer dans le temps ? Seul l'avenir le dira, mais en tout cas pour le moment, les tests ont été plus que concluants, en tout cas sur tous ces boutons tactiles et boutons physiques. Voilà. Alors, pour ce qui est de la trappe, elle s'ouvre très parfaitement. Alors, l'ouverture, il y a un petit point dur au départ, mais voici donc la trappe avec, vous le voyez, micro SIM et micro SD ici. Voilà. Donc la SIM principale se trouve au fond ici. Et la fermeture se passe tout aussi bien que l'ouverture, avec aucun jeu. Elle est vraiment à fleur, la trappe. Donc c'est vraiment du beau travail. Eh bien écoutez, moi je vous propose donc tout de suite d'attaquer les résultats des benches de ce Dougie Shoot One. Mais vous le savez déjà un peu, on est très très proche du Bluebooth Dual. Alors on l'allume et on y va. Alors voilà ce Bluebooth Dual démarré. Une interface, comme je l'avais dit précédemment lors du comparatif, une interface très très proche d'une Android stock. Et malheureusement, écoutez, on a beau être sur de l'Android stock, en termes d'interface utilisateur, la user experience sur AnTuTu a 2000 points d'écart avec la Bluebooth Dual, qui semble avoir donc une ROM plus optimisée quelque part que ce Bluebooth Dual. Et on va regarder donc les résultats tout de suite de AnTuTu. Vous le voyez, 39 300 points lorsque le Bluebooth Dual avait 41 000. Alors, si on regarde le détail de ce résultat sous AnTuTu, c'est ici que le gros de l'écart qui se situe entre le Bluebooth Dual et ce Dougie Shoot One,
C'est ici que ça se passe sur le User Experience parce que nous avons 17 500 points sur le Bluebook Dual. Alors, il y a un écart de ce côté-là, mais en tout cas, pour les autres résultats, ils sont très proches, même processeur, même fonctionnement. En termes d'infos, rien de particulier. Le Dougie Shoot One, c'est bien la marque Dougie et non pas la marque Alps comme sur le Bluebook Dual. Nous avons le CPU 6737T, le Mali-T 720, nous sommes bien en Full HD. La caméra 16 mégapixels, un 13 interpolé en 16 pour la caméra principale lorsque vous n'utilisez pas le mode DSLR. Ensuite, en termes de stockage, vous avez bien 2 Go de RAM. Vous êtes livré en 16 Go de ROM, il vous reste 10 Go 3. Après toutes mes applications installées pour les tests et autres, il reste actuellement 6 Go. Vous avez bien le MT6737T, le 4 cœurs à 1,5 GHz, le Mali-T 720, nous avons une densité de pixels de 480 en Full HD sur ce 5,5 pouces. La caméra en façade, une 8 mégapixels interpolée en 13, ce qui fait des photos plutôt pas mal en selfie. Le niveau de batterie actuel de 87%, 27 degrés. Bref, ensuite, l'accéléromètre du MediaTek, gyroscope non étalonné, MediaTek, capteur de lumière, MediaTek, champ magnétique, capteur d'orientation, proximité, et voilà, c'est tout. Première chose que je vais vous montrer aussi, le fonctionnement du scanner d'empreinte. Mon pouce est enregistré. Il est instantané et encore plus rapide que sur le Bluebook Dual. Voilà. Alors, au niveau des tests, on continue avec le multitouch. Souvenez-vous, parce que c'est vraiment, on continue dans la comparaison, mais c'est très clairement le concurrent du Bluebook Dual. Vous avez un vrai 5 points. Pas plus, hein, je ne vais pas le faire plus, ça ne sert à rien, mais vous avez un vrai 5 points. Ce qui est une bonne nouvelle pour ce Dougie Shoot One. Enfin, le screen test, c'est du zéro défaut. Là où on pouvait s'apercevoir d'un petit détail en bas à droite sur le Bluebook Dual, sur ce Dougie Shoot One, c'est du zéro défaut. Un rouge très très pétant à l'œil, il semble qu'il le soit tout autant d'ailleurs en vidéo. Un vert là ici, voilà, comme ça, ça sera mieux. Voilà, là c'est les couleurs que vous voyez à l'écran, c'est les couleurs vraiment que je vois sur l'écran de ce Shoot One. Alors les dégradés de gris, on les voit tous, sans exception, du plus clair au moins clair, voilà. Les détails pour les dégradés de couleurs. On va essayer de trouver un angle où on voit bien les différences de teintes. Voilà. La mire qui est elle aussi très très bien rendue. Donc voilà, côté écran, c'est vraiment aussi là un zéro défaut. Alors, on va continuer avec les résultats donc du test GPS ainsi que Geekbench. Le tout via, bien entendu, vous avez l'habitude, les copies d'écran de tout ceci. Alors, j'oubliais une chose, Epic Citadel, nous sommes à 23,9 frames par seconde, vous le voyez. Donc, bien entendu, ce n'est pas un miracle. Mali-T 720, toujours la même chose et c'est toujours à peu près le même résultat. Bon, voilà, ça fait son boulot, mais il ne faut pas s'attendre à des résultats extraordinaires. Mais malgré tout, vous le verrez, le jeu, ça fonctionne très bien. Alors, au niveau du GPS, vous avez 7 satellites fixés sur 14 visibles. Alors, ça pourrait être mieux, mais c'est, on va dire, 50% de fixés sur les 14 visibles. 14 étant peut-être un résultat, on va dire, faible par rapport à d'autres smartphones récents testés. Sous GPS test, vous le voyez, c'est exactement le même résultat. 7 satellites utilisés sur 14 visibles et avec un premier fixe en 9 secondes.
Et une fois le satellite fixé, ça fonctionne parfaitement. Il ne quitte pas la route. Le suivi du GPS se fait correctement. Donc, on estime, en tout cas j'estime, que le GPS fonctionne bien, même si effectivement 7 utilisé sur 14. Mais je le rappelle, 7 c'est déjà beaucoup, puisque un GPS fonctionne sur une triangulation, et triangulation, il suffit de 3 satellites pour suivre une route correctement. Voilà. Donc, au niveau des résultats de Geekbench, au niveau CPU sous Geekbench version 4, classique, 1700 en multicore, faible résultat en single core, c'est un classique, c'est le MT6737, qu'il soit en mode turbo ou pas, c'est toujours plus du double en multicore et avec un très faible score en single core. Ensuite, au niveau du GPU, un score de quasiment 900, donc pareil, un score classique, pas de résultat extraordinaire de ce côté-là. On le sait depuis le début, MT6737T, Mali-T720, ce sont des résultats classiques pour ce GPU et ce CPU. Donc voilà, on en a fini autour des résultats matériels purs. On va regarder maintenant tout ce qui est vidéo, vidéo sur cet écran bien entendu, ainsi que le son. Alors on attaque tout de suite par le son. Alors, on va lancer notre titre habituel. Alors, le son, moi je l'ai déjà écouté et je peux vous dire tout de suite que je trouve que le son est très bon sur ce Shoot One. Très personnellement, j'ai bien accroché. Il n'y a aucune saturation au niveau des aigus, et si je vais vers le passage des basses, et vous allez entendre ça, il y en a des médiums bas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et alors, je peux vous confirmer une chose, c'est que le châssis arrière, la coque arrière, vibre vraiment avec ces médiums bas. Ils sont vraiment très très présents. Des aigus très clairs, sans saturation, sans grésillement. Donc, c'est personnellement, je trouve que c'est un très bon travail réalisé par Dougie sur le son sur ce modèle. Alors, on va regarder tout de suite les vidéos. Et on y va avec nos animaux préférés. On va ignorer bien entendu la publicité. Et on va revenir au début de la vidéo. Alors vous le voyez, très très belle couleur, belle luminosité de l'écran. Et très honnêtement, je trouve la colorimétrie sur cet écran très très bien calibrée. Ça, pour moi, c'est vraiment un gros point fort de l'écran intégré sur ce Dougie Shoot One, parce que vous le voyez très honnêtement, c'est lumineux, sans saturation, les couleurs ne sont pas du tout exagérées, et j'ai vraiment un bon coup de flash sur cet écran et ce modèle finalement, parce que je l'ai trouvé voilà, très bien réalisé à tous les niveaux. Très honnêtement, il n'y a pas de défaut important sur ce Dougie Shoot One. Voilà, je vous laisse apprécier un peu où on voit tous les détails de la toile d'araignée. Voilà, on va voir la langue. Voilà. Allez, je pense que ça suffit. Vous avez compris que c'est quasiment un zéro défaut global sur ce modèle. Alors nous voilà de retour, je vous mets quelques photos prises avec mode HDR sans mode HDR et mode DSLR sans mode DSLR. Vous allez pouvoir juger ces quelques petites photos supplémentaires
qui vont vous permettre de juger de la qualité de cette caméra installée sur ce Doogie Shoot One. Donc je le rappelle, capteur principal de 13 interpolé en 16, sinon vous avez un double capteur 13 plus 8. Donc l'exemple que je voulais vous montrer en fait sur ce Doogie Shoot One, c'est de réaliser un mode DSLR sur quelque chose de très proche, où en fait l'effet de profondeur disparaît quelque peu parce que ça devient trop flou. L'arrière-plan et le premier plan sont très trop proches. Donc attention à ce genre de choses. Prenez des arrière-plans lointains et un avant-plan effectivement juste devant vous. Et là, l'effet de profondeur va être effectivement bien présent. Attention donc ne pas faire des photos trop proches sur l'arrière-plan et le premier plan. C'est tout. On va regarder tout de suite le jeu. Je le lance. On va monter le son. Pas trop fort non plus. Alors, j'ai déjà joué avec le téléphone, bien entendu, pour le tester. Donc simplement je trouve un petit défaut, c'est que l'écran marque un peu trop facilement les empreintes, mais je pense que si vous mettez une protection d'écran en verre trempé, traité contre les empreintes, ça devrait plutôt le faire. Donc vous le voyez que ça tourne très bien, il n'y a pas de souci. L'accéléromètre fonctionne aussi très bien. Bon, là, je regardais le retour caméra, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour conduire. Je vais être sûr que je sois bien cadré et ça fait des dérapages sur dérapages, c'est pas terrible tout ça. Vous voyez, c'est fluide, hein, il n'y a pas de souci. On va en finir avec ce tour. Voilà. Donc vraiment un tour très mauvais. Bref, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu la qualité de l'image, la fluidité. Donc ça tourne vraiment correctement. Au niveau des jeux vidéo, il n'y a pas de souci. De ce côté-là du téléphone, le Doogie Shoot One donc. Et donc, avant de conclure, il nous reste quelques petites choses à effectuer sur ce Doogie Shoot One. C'est en premier lieu son poids. Vous le voyez, nous sommes bien à zéro. Alors, il m'a stupéfait ce téléphone parce que c'est quand même un 5,5 pouces et son poids, vous le voyez, est très contenu, 165 grammes. C'est un peu le contraire du Bluebook Dual qui est clairement plus lourd. Pour quelle raison? Je ne sais pas, parce qu'ils ont à peu près la même batterie. Le même écran, donc c'est étonnant, mais il semble que le châssis soit beaucoup plus léger du côté de chez Doogie que du côté de chez Bluebook. Voilà, donc poids final mesuré 166 grammes, première chose. Ensuite, son épaisseur. Alors, son épaisseur, il est plus épais clairement que le Bluebook Dual. Eh bien, écoute, on va regarder tout de suite ce que cela donne côté épaisseur.
9,2 mm, ça fait quand même une belle épaisseur par rapport aux 7 mm du Bluebook Dual. Ensuite, dernier test, en tout cas avant-dernier test, c'est est-ce que ce modèle est OTG d'après vous? Eh bien écoutez, il est OTG, voilà, ça clignote, il n'y a pas de souci. Et dernier point que je voulais vous montrer, c'est la prise jack. Et vous le voyez, en tout cas vous l'entendez, j'aimerais que vous l'entendiez. Bref, on y va, on insère et le dernier clic. Voilà, il est bien inséré et bien enfiché dans le téléphone. Voilà quelque chose qui est parfait. C'est pour ma part un bon modèle, bien né, réalisé par Doogie. Maintenant, conclusion. Alors, ce Doogie Shoot One, les pour et les contre, eh bien écoutez, ils sont les suivants. Pour les pour, moi j'ai mis son écran Full HD avec une très très belle couleur, très beau rendu. Très beau calibrage aussi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, il n'est pas fatigant cet écran et il a une très très belle résolution, bien entendu il est Full HD, ok, mais malgré tout, il a beau être Full HD si les couleurs ne sont pas avec, mais écoutez, ça fait généralement un écran pas très très sympathique à regarder. Là c'est carrément le contraire, il est vraiment très très agréable. Ensuite, son scanner d'empreinte, je le rappelle, son scanner d'empreinte pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, j'ai mis mon pouce, voilà, donc si je fais un autre doigt, hein, ça ne fonctionnera pas, j'ai bien mis des empreintes, et c'est mon pouce, il est très rapide, et comme je le disais lors de la vidéo de comparatif Bluebook Dual et Doogie Shoot One, ces deux modèles sont équipés de lecteurs d'empreintes très rapides. Et là, on a vraiment l'impression d'être sur un scanner d'empreintes emprunté chez Xiaomi. Vraiment, il est très rapide et très efficace. C'est vraiment une très très bonne qualité de ce côté-là. Ensuite, la qualité photo générale, surtout sur les photos de jour, bien entendu. La batterie qui tient vraiment le coup. Bien sûr, si vous jouez sans cesse, ça va se vider très vite, comme sur tous les téléphones. Mais le 6737 est un modèle de processeur peu énergivore. Donc, la batterie tient très bien le coup. Ensuite, le son d'excellente qualité, c'est aussi là une très très bonne surprise, le son sur ce Doogie Shoot One. Mes contre, c'est la puissance CPU 6737T, même à 1,5 GHz, ça tourne pas mal, mais c'est bon, voilà, ça peut être décevant comme pas décevant, tout dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple des jeux, si les gros jeux, vous les oubliez. Là, malgré tout, le jeu Assoluto Racing, vous l'avez vu, il tourne plutôt correctement et même bien. Donc voilà, si le téléphone est bien optimisé, les jeux tournent bien, mais il manque tout de même de puissance. Ensuite, les photos en faible luminosité, c'est un point négatif. Ça reste à travailler de ce côté-là. La note finale, 7,5 sur 10. Le graphique. Alors le graphique, c'est en termes de performance, moi je suis mis 6 et design 5, parce que le design, voilà, c'est là où il perd des points, je trouve, parce qu'il n'apporte rien. Bon, c'est un peu dommage. Par contre, la finition, batterie, prix et caméra, c'est plutôt bien noté. Même s'il pourrait faire quelques progrès côté caméra, il en est du reste quand même un excellent modèle bas de gamme, parce que ce n'est pas du milieu de gamme, on est bien sur du bas de gamme, et là du bas de gamme à 110€ avec la qualité que vous avez par exemple sur le son, la qualité photo, la batterie conséquente, le scanner d'empreinte ultra rapide, un écran Full HD avec un très beau calibrage de couleurs, là très honnêtement Doogie a fait très fort. Maintenant, reste à voir dans le temps ce que cela va donner, mais à 110€ le téléphone, c'est en gros 8 fois, 9 fois moins cher que d'autres équipés d'une double caméra, certes beaucoup plus puissant, mais voilà, vous avez quand même un modèle permettant de faire de très belles photos et avec une très bonne résistance au cours de la journée pour sa batterie. Voilà, donc une note de 7,5 sur 10 et on en aura fini donc avec ce Doogie Shoot One. J'espère donc que cette vidéo vous aura convaincu,
que vous n'hésiterez pas, bien entendu, à mettre le petit pouce en l'air, le petit pouce bleu, et bienvenue donc dans cette nouvelle année du coq en Chine, puisque les vacances du Nouvel An se sont terminées avant-hier pour la Chine. Donc maintenant, c'est le redémarrage complet. Je pense que beaucoup de nouveautés vont être annoncées, vont être présentées, et bien entendu, j'espère qu'elles seront testées sur ma chaîne, par moi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Pour information, ce téléphone est à vendre, mais il est déjà réservé. Si la personne se désiste, n'hésitez pas de toute manière à m'écrire, je vous tiendrai informé sur la suite, à savoir si ce modèle est toujours en vente. Bien écoutez, j'espère que vous ferez toujours attention à vous, que nous serons toujours ensemble toute cette année. Et bien entendu, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Alors sur ce, je vous dis ciao les amis, bye bye et à la prochaine.